Bonsoir à tous, il est 18h, c'est l'heure de votre récapitulatif ONU favori. Bienvenue à tous et bonne écoute. Nous allons donc vous présenter les rappels, les nouveautés du Orange, les nouveautés inter-serveurs, la loterie, le jeu concours, puis nous finirons par les promotions et départs du Orange. Pour commencer, nous vous rappelons qu'il est indispensable de placer les panneaux pour les notations à votre FM avec les coordonnées de vos nouvelles constructions. Par ailleurs, tous les grades du serveur recrutent, n'hésitez pas. Enfin, nous possédons également un Discord et un Twitter où nous postons diverses informations. Et bien sûr, un assassinat à programmer ou des médicaments à commander, rendez-vous sur le site de Nation Glory Orange. De plus, le journal vous propose des pubs vidéo ou écrites au Warp Journal. Pour les nouveautés du Orange, nous pouvons remarquer l'apparition d'une nouvelle règle RP, la voici. Il est strictement interdit d'utiliser un double compte dans le pays d'un mafieux afin de l'aider lors d'une perquisition ou d'une patrouille. Le nombre de joueurs pouvant aider les mafieux est de 1 joueur sur son compte principal pour 4 gendarmes. De plus, félicitons Naïx qui passe référent mafia mais reste quand même référent gendarmerie. Ensuite, les deux tickets ultimateurs mis aux enchères vont pouvoir être utilisés jusqu'au dimanche 30 octobre. Pour rappel, ils permettent de tirer un ultimateur sur l'ancien spawn. Continuons avec la sortie d'un nouvel event basé sur le knockback. Le but est donc de faire tomber les joueurs dans le vide. Une nouvelle quête est apparue, celle du scientifique fou. Pour cela, rendez-vous au laboratoire derrière vous au Warp ONU. Pour finir, le spawn Halloween est sorti. Pour les nouveautés inter-serveurs, nous pouvons voir la sortie du Nations Minion qui sera dispo dans le week-end ou la semaine. Passons au jeu concours. Quel est le nom du nouveau système de loterie inter-serveur ? Réponse A, NG Lotto. Réponse B, Nations Minion. Répondez avec A ou B ainsi que votre pseudo en commentaire et likez la vidéo pour tenter de gagner 1500$. De plus, félicitations à Xam31 qui a remporté le dernier jeu. Nous pouvons remercier Exoc27 pour son travail en tant qu'analyste, mais aussi remercier César13 pour son travail en tant qu'adjudant. Et pour finir, merci à Keta pour son travail dans la super modération. Pour les ranks, nous pouvons féliciter Nix qui passe référent mafia, il reste tout de même référent gendarmerie. GG à Grigo2610 qui passe en intérim sur le White afin de devenir administrateur sur le White et quitter le Orange. Félicitations à Zemega Bambi qui a fini ses formations en tant que super modérateur, il passe donc OP. C'est avec un grand remerciement que nous clôturons ce récapitulatif de l'ONU. Si vous avez des remarques à nous renseigner, n'hésitez pas à nous les écrire en commentaire. Nous espérons que vous avez passé une agréable écoute dans notre compagnie, et bien sûr, à la semaine prochaine.